L'information fait la une du journal Sabah en Turquie. Le mythe, service secret de la Turquie aurait déjoué cette attaque de la part de l'Iran. Il s'agirait de représailles à l'élimination du scientifique iranien Fakhrizadeh, qui était à la tête du programme nucléaire de l'Iran avant sa mort en 2020. La cible de cette tentative d'assassinat s'appelle Yair Geller, un homme d'affaires israélien qui détient également la nationalité turque. Il aurait été visé par un commando de 9 personnes qui suivaient depuis un certain temps tous ses déplacements. Ces personnes ont immédiatement été arrêtées. Autre motif de cette attaque, le récent réchauffement dans les relations entre la Turquie et Israël qui déplaît à la République islamique. Le président turc Erdogan a annoncé la semaine dernière qu'il accueillerait son homologue israélien Isaac Herzog le mois prochain. La raison d'un tel rapprochement, une éventuelle coopération énergétique entre les deux pays. La Turquie et Israël pourraient travailler ensemble pour acheminer du gaz naturel du Moyen-Orient vers l'Europe. Autrefois de solides alliés régionaux, Israël et la Turquie ont vu leurs liens se distendre pendant le mandat du président Erdogan. Le dirigeant turc a critiqué à de multiples reprises et de façon très vigoureuse la politique israélienne à l'égard des Palestiniens.